Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 8 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un beau week-end. Petite philosophie du matin, aujourd'hui, refoulement. Un sentiment refoulé est une plaie qui ne peut pas cicatriser tant qu'il n'a pas été exprimé. Et oui, tenir tout pour soi, eh bien ce n'est pas l'idéal. Donc communiquer, c'est important, et dire ce qu'on pense, c'est aussi important. Voilà pour la petite philosophie du matin. Aujourd'hui, je continue dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Très joli oracle. Aujourd'hui, j'ai pigé l'art du drame. L'art du drame. Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. » Eh bien, cette carte, pour certains d'entre vous, elle vous met en garde. Car peut-être, vous prenez souvent les situations de votre vie, eh bien, comme des drames, vous dramatisez tout. Et ce serait peut-être bon d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie, eh bien, sur le rire. Sur le rire et le plaisir d'être. Et ainsi de vivre, eh bien, les situations de façon céleste. Vous savez, être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec plus de légèreté est un art. L'autodérision, j'adore. L'autodérision prouve, eh bien, que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Pourquoi pas apprendre à ne pas trop vous prendre au sérieux et peut-être cesser de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Voir la lumière, eh bien, c'est un remède naturel pour l'âme, n'est-ce pas? Parce que l'âme, elle aime la lumière. Et en développant l'autodérision, eh bien, c'est le plaisir et le rire au quotidien qui vous nourrit. Et ce qui vous nourrit, c'est une joie. Et la joie de vivre qui est gage de succès, n'est-ce pas? Arrêtez de dramatiser tout. Petit rituel de la légèreté. Le rire fait partie de la croissance. Il permet de réduire la tension artérielle, d'atténuer toute douleur et d'augmenter la confiance en soi. Pour toutes les situations, eh bien, choisissez la légèreté plutôt que le drame. Alors on sait que votre ego, eh bien, il se nourrit du drame, n'est-ce pas? Bien sûr. Tandis que votre âme, elle sait qu'elle peut avancer dans la vie avec sérénité, puisque tout est parfait. En deux, eh bien, souriez. Mais oui, souriez. Sourire
vous embellissez votre journée et celle des autres. Et en plus de ça, votre sourire illumine l'atmosphère. En trois, amusez-vous à rire des situations qui vous arrivent. Osez rire de vous-même. Bien sûr, osez rire de vous-même, car c'est un bon remède au stress. Ainsi, vous avez matière à rire pour le restant de vos jours. Et en quatre, cessez de jouer la victime. Prenez votre part de responsabilité dans les situations que vous vivez présentement. Alors que pouvez-vous faire concrètement pour modifier la situation présentement qui vous pose un souci? Que pouvez-vous faire? Certainement pas jouer à la victime, n'est-ce pas? Prenez le taureau par les cornes. Allez, magnifique message pour débuter cette semaine et je termine avec la petite pensée positive. Et aujourd'hui, j'ai pigé « Tout a une signification ». Mais évidemment, tout a une signification. Je me dirige vers des états supérieurs de conscience quand je deviens attentif à la signification des événements. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse et je vous dis à demain.